Yo, 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 la compagnie, comment va aujourd'hui? On se retrouve dans la ferme Saint-Valentin avec notre ami. Les aventuriers Max de Oh, pour une fois, elle a bien dit son blaze. Et pour une C'est fois. étonnant. Allez, on se retrouve après le générique. Yo yo yo, c'est Doudou de Tinopix, je suis enchanté de faire votre connaissance. Bienvenue sur la chaîne pour ceux qui arrivent. Donc cette exploration a été faite le 28 décembre par mon petit papa que j'aime, et le 29, il s'est passé quelque chose d'incroyable sur ce spot. Je vous laisse découvrir les images, à tout de suite. Voilà, comme vous avez pu le voir sur les vidéos, le spot s'est complètement écroulé. Donc le jour où mon petit papa d'amour, il y est allé, il m'a dit qu'il y avait beaucoup de vent. Ils ont failli s'envoler 8 ou 9 fois environ par minute. Donc c'était compliqué. Donc ça aurait pu leur arriver sur place. Donc ils ont eu beaucoup de chance, ces deux cons. Mais ils sont rentrés sains et saufs et c'est l'essentiel. Donc maintenant je vous laisse avec cette exploration et mon petit papa qui va vous faire la petite visite de ce spot. Allez, big up! Je vous aime les mecs! On se retrouve dans cette petite ferme bien sympathique. Donc on est déjà à l'étage. Je vous réserve la surprise du rez-de-chaussée pour la fin. Et ici, on peut bien voir le temps qui a vraiment agi, l'humidité, la mousse qui revient sur ce meuble. C'est incroyable. C'est fantastique. C'est une vieille bibliothèque. Et je prends les accents que je veux dans mes vidéos. Je t'emmerde en plus. Il y a une meuf avec un bonnet là. La fille de Commandant Cousteau. Ça, c'est quoi ça? Ça là? Je ne saurais te dire. Qu'est-ce que t'as pensé de ce lieu? Dis-nous déjà ton impression à chaud, comme ça, sans spoiler. Sans spoiler? Bien, mais petit. Ok. Vas-y, ça rigole plus fort encore, il y a deux voisins, ils t'ont pas entendu. Putain de porte de merde, enculé de ta race. Bip. C'est vrai, j'ai bien aimé la petite chambre sympa. Bon, non. Oh, bon. Oh putain, il est passé à travers le sol. Vas-y, joue au con. Ça emporte que petite boîte. T'as vu, et devant, il n'y a pas de boîte. Ah, celui-là, c'est une boîte qualité. Beau petit berceau. Exactement, abonnez-vous. Tinopix, les aventureurs Bex de Lori. On s'abonne et on moufte pas. Oh. 1925-1926. Ça devait pas baiser fort là-dedans. Hein. C'est un blasphème, dit devant notre ami Jésus. Ah, mais tu touches les kékettes. Jésus revient. Jésus revient parmi les siens. Ouais, je me casse, elle est folle. T'as même pas fini le prie-dieu. Sais-tu à quoi ça sert un prie-dieu? Comment fonctionne un prie-dieu? Mais il y en a en bas, il y en a partout, j'en ai vu des milliers là, je m'en bats les couilles. Tu te mets à genoux dessus et puis tu pries, super, waouh! Trop bien, tu pries à Dieu qui n'existe pas! Fantastique! Nous voilà dans le grenier. Avec deux vieilles carcasses de vélo bien rouillées. Des selles de cheval.
des morts, des... Je ne suis pas zékéiste, donc je ne fais pas d'équestration, ni de séquestration, j'ai arrêté. Ça me causait trop de problèmes. Un petit berceau, hein. Zombodig, au demeurant. Toujours au demeuré. C'est l'escalier de la mort qui tue. Tu putain de ta race. Putain, le daron, il me fout la honte avec ses vannes de merde. Il raconte que de la merde. Je me demande quel genre de bébé devait y avoir là-dedans. Ah, mais c'est pas un bébé d'un centimètre. Hein. C'est pas très grand. Hein. C'est une crevette, ce truc. Donc, nous allons nous rendre au rez-de-chaussée, qui est du top du diquet. Vous aurez la cuisine après. Là, tu peux enlever ton matériel, s'il te plaît. Beau petit salon. Belle peinture, plein de vieux téléviseurs, bon petit fourneau, beaucoup de signes religieux dans cette maison. Et voilà la pièce maîtresse de cette maison, pour moi la cuisine, totalement diquée, mais bien remplie. Ça qui est bon. C'est ce qu'elles disent toutes. Bien niqué, mais bien rempli. Amazing. N'importe quoi. Un congélateur avec la nature qui revient dessus. C'est ouf. C'est ouf. Elle est superbe cette maison. Moi, j'ai perso, j'adore. C'est Dicky à souhait. C'est...
Voilà, voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que cette visite vous a plu. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, alors? Petit mais bien. Toujours petit mais bien, toi. Ça, petit mais bien. Deux arguments. Voilà. Petit mais bien. Bon, bah voilà, je crois pas. Non, non, mais c'était... Quand les lettres et tout, c'est fort en émotion, quand même. Tu vois que c'est des gens... T'as pleuré qui... Bah non, quand même pas. Mais... Elle a pleuré. Oh là là. Ah bah, on peut plus rigoler, ici. Tu fais sans moi, parce que t'as l'air grand à la caméra, c'est tout. Là, c'est bon taille, là. C'est bon, ça te va comme ça? Bon, j'espère que ça vous a plu. On s'abonne, on vous met des likes, on fait toujours des bisous. Moi, j'aime le bisou. Moi aussi. Toi aussi, t'aimes le bisou? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oh. Les bisous des gros barbus. Alors, si oui, vous êtes un gros barbu, tatoué. Envoyez un CV à Laurie. Les aventures Evax de Laurie. Allez, big up la compagnie. Peace! Vous croyez pas qu'on allait se quitter comme ça? Allez, voici un petit bonus, un Lost Bridge incroyable. C'est parti! Bon, ce sera un petit bonus pour la vidéo. Ce pont est mythique, est légendaire dans l'urbex. Je vais juste faire cette petite photo. Mais c'est difficile de venir jusqu'ici. Je la mets avec ma photo. La seule branche qu'il va y avoir. Le bordel. Rien encore une petite. Ah, je vais en reprendre une photo d'ici, tiens. Bien voiture. Yo yo yo, mes petits louveteaux, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve bientôt, mon papa et moi, dans de nouvelles aventures. Bon, moi perso, je resterai sur le plaid faire des siestes. Hein. Mais lui, en tout cas, il sera dans des aventures. Donc, likez, commentez et partagez, comme ça il peut m'acheter plein de croquettes et plein de petites douceurs pour mon petit gosier. Et on se dit à bientôt. Allez, big up, compagnie. Peace.